retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super heureuse de faire cette vidéo. Ça va être la... Comme d'habitude, hein, la fifille. C'est la toute première fois que je présente les nouveautés de la boutique Sabine. Voilà, elle m'a envoyé un petit paquet, voilà, avec toutes les nouveautés qu'il y a ce mois-ci. Ça tousse encore, hein, sur sa boutique. Et j'en suis trop contente. Alors, je n'ai pas ouvert, enfin, j'ai ouvert l'enveloppe, mais je n'ai pas ouvert les autres enveloppes qu'il y a à l'intérieur, parce que je veux me faire la surprise en même temps que vous. Voilà, bon, celle-là, par contre, on peut la jeter maintenant. Oh là là, va peut-être falloir que je vide la poubelle. Alors, d'abord, j'ai une jolie carte de Sabine. Voilà, un petit mot. C'est un petit mot doux, voilà, pour moi. Mais je vous montre la carte. Elle est trop, trop belle. J'adore. Elle va aller sur mon bureau, celle-là. Voilà. Alors, j'ai plusieurs paquets. Voilà. Alors, celle-ci, c'est la numéro 4. Alors là, pareil, je les avais, les grandes enveloppes blanches, je les avais ouvertes parce qu'il y a d'autres enveloppes dedans. Sabine a fait ça très, très bien, comme d'habitude. Alors, regarde, hein, qu'il n'y a plus rien, que j'oublie rien. C'est bon, il n'y a plus rien. Ça, c'est la numéro 1. On va aller dans l'ordre, hein. Et celle-là, il n'y a plus rien dedans. J'ai la numéro 2. Voilà, alors 1, 2, 4. La numéro 3. Mais alors, déjà, petit suspense. La numéro 3, vous ne la verrez pas aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai un petit mot, comme quoi je dois vous la faire voir pour le 30 mai. Voilà, oui, c'est des surprises. Mais moi, j'ai le droit de regarder. Alors, on va ouvrir la numéro 1. Voilà. Alors, je vous... Regardez, le Zoli Stickers. Il est trop, trop beau. Alors, hop. Ouh, 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 ouh. Alors, c'est un nouveau modèle. En plus, j'adore cette bestiole. Alors, c'est un nouveau modèle de grille de broderie. Alors, je lis parce qu'elle m'a fait ma petite note, hein, sur le papier. Voilà. Vous pouvez l'avoir en PDF au prix de 7 €. Vous pourrez l'avoir en mode papier au prix de 8 €. Et il y aura également le kit complet. Donc là, vous aurez la grille et tous les fils. Voilà. Pour le prix de 39,90 € avec la toile, les fils et la grille. Oh, c'est trop beau. Ensuite, bien sûr, il y a l'aimant et il y a le trifil. Alors, l'aimant, il est au prix de 4,30 €. Le trifil est au prix de 7,50 €. Allez, je vous montre. Oh ouais, non, c'est vraiment trop, trop... Alors, le trifil, ah, une beauté. Donc, c'est une chouette... Une chouette aquarelle, voilà, qui repose sur des jolis livres anciens. Donc, c'est une chouette aquarelle. Elle est magnifique. Elle est trop, trop belle. Les couleurs vont être magnifiques. Ça va faire, je pense, un peu le style vintage. Ça va être vraiment superbe. Alors, c'est une grille de broderie qui fera 180 sur 170 points. Voilà. Et il y aura... Alors, je vous compte les couleurs. Ne bougez pas, je ne suis pas partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 20, 40. Et ces deux-là, est-ce qu'on les a déjà? Donc, 40, 40, 40, 40. Celle-là, oui. Et celle-là, oui. Alors, 40 couleurs. Voilà. Vous avez la liste des couleurs derrière. Bon, je vais arrêter de m'excuser parce qu'on m'a dit de m'arrêter de m'excuser quand je toussais. Et derrière, bien sûr, il y a comme d'habitude les conseils pour débuter votre broderie. Si jamais ce serait votre toute première broderie, que vous n'avez pas l'habitude. Sabine préconise de prévoir une marge de 5 cm. Voilà, de surfiler le bord de votre toile. Si vous ne savez pas coudre, enfin faire un surfilage, vous n'avez pas de machine à coudre. Vous prenez du, comment ça s'appelle? Du ruban adhésif de peintre. Vous savez qu'on met des fois autour des fenêtres pour mettre en peinte quand on met en couleur. Et vous mettez ça, vous faites d'un côté, vous pliez, vous recollez de l'autre. Et ça tiendra tout le long que vous allez faire votre broderie. Et ça ne collera, il n'y aura pas de colle qui va rester sur votre toile. Ne vous inquiétez pas, quand vous avez fini, vous n'avez plus qu'à l'enlever. Et il n'y aura pas de problème. Et donc, pliez votre toile en quatre pour trouver le centre. Voilà. Alors... Là, hop, alors attendez, je cherche le milieu. Voilà, je l'ai. Vous avez les deux versions dedans, c'est-à-dire vous avez la version noir et blanc et vous avez la version couleur. Donc chaque version, vous allez avoir la liste comme ceci avec toutes les couleurs et les symboles. Voilà, donc là, ce sont les symboles couleurs. Vous avez... donc, c'est une, si vous faites avec du 14CT, donc après, ça dépend de la toile que vous allez utiliser. Si vous faites avec du 14CT, votre toile... Alors, que je vous répète à chaque fois, mais moi, j'arrondis toujours le chiffre au-dessus de la virgule. C'est plus simple. Il vous faudra une toile de 33 sur 32 cm. Voilà. Alors, je vous montre qu'une partie de la grille parce que je ne veux pas la spoiler. Voilà, pour vous montrer au niveau de l'impression, vous voyez, elle est vraiment tip top. Donc ça, c'est la version couleur. Excusez-moi si je renifle. Bon, arrête de t'excuser, Edith. Non, mais renifler, je sais que c'est embêtant. Mais bon. Et ici, vous avez la version, donc, noir et blanc, pareil, avec les symboles. Et la liste de toutes les couleurs. Et je vous montre une partie. Donc, c'est la même partie que je viens de vous montrer en couleur. Mais je vous la montre ici en noir et blanc. Pour vous montrer qu'elle est très, très bien imprimée. Alors, si jamais vous achetez le modèle en version papier comme ici... Vous avez toujours la possibilité, en passant par la messagerie de la boutique, pas par d'autres messageries, il faut obligatoirement passer par la boutique pour envoyer un message à Sabine, pour qu'elle vous l'envoie également en PDF, et là, ce sera envoyé gratuitement. Mais il faut que vous ayez acheté le format papier. Sinon, vous pouvez acheter directement le PDF, mais vous n'aurez pas le format papier. Là, si vous n'avez que le PDF, ben, ce sera 7 €. Voilà. Et là, c'est 8 €. Mais vous pouvez lui demander en plus le PDF. Comme ça, vous pourrez le mettre dans votre Pattern Keeper pour broder ensuite. Toutes les broderies de Sabine sont compatibles avec Pattern Keeper. Voilà. Et pour accompagner cette jolie... broderie. Alors, attendez, j'enlève le plastique parce que comme ça, ça fait moins de reflets dans... Hein, il veut pas. Ça fait moins de reflets dans le téléphone. Regardez-moi cette beauté. Oh, oh là 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 là. Il est vraiment trop beau. Elle est trop belle, cette chouette. Trop, trop belle. Et vous avez également... Oh, je l'adore. Je l'adore. Je serais capable de le mettre comme ça sur mon bureau, ne pas m'en servir, juste pour l'image. Voilà l'image donc de cette broderie. Et là, vous l'avez en trifil. Et donc, vous avez 6 et 6, 12, 24 trous pour mettre vos fils. Voilà. Mais vraiment très beau. Donc, du coup, pour cette nouveauté, vous avez la grille de broderie, le trifil et son petit aimant qui va avec. Voilà. Alors, je vous répète les prix. La grille PDF 7 €, papier 8 €, le kit complet qui comprendra la grille, la toile, les fils 39,99 €, l'aimant 4,30 € et le trifil 7,50 €. Encore des magnifiques nouveautés. Et là, je suis vraiment super heureuse et fière de présenter les nouveautés de la boutique. Deuxième enveloppe. Allez, je vous montre le petit stickers. Regardez-moi ça. Il est trop mignon. Voilà. Oh, oh là 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 là. Oh, oh. Oh, oh. Oh, je vous le montre en premier celui-là. Alors, ce sont des nouveautés également qui vont être dans la boutique. Là, par contre, j'ai pas les prix, mais bon, vous aurez... les prix sont les mêmes pour... parce que là, je vais vous présenter un trifil. Donc, c'est 7,50 €. Mais... Ah, oh, alors, je vais les collectionner, mais alors sans m'en servir. Ah ouais, parce que... De toute façon, bon, ils ne s'abîment pas. Hein. Il y en a que je me sers... Et il ne s'abîme pas du tout. Regardez-moi. Oh, oh là 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 là, ce toucan. Il est trop beau. Oh, les couleurs d'enfer. Waouh. Regardez-moi ce ciel, la multicolore derrière. Tout. Oh, sa tête, là, elle est magnifique. Il est trop beau. Oh, magnifique. Donc pareil, 24 trous pour y mettre vos fils. Alors petit conseil, parce que je vois souvent sur le groupe de Sabine, la question revient régulièrement. Comment mettre les numéros sur les trifils? Mon conseil à moi, ne mettez pas du côté de l'image. Voilà, vous laissez l'image telle qu'elle. Vous retournez votre trifil. Et là, vous y mettez des petits stickers. J'en ai pas là sous la... Ah bah si, j'en ai là sous la main peut-être. Ouais, j'en ai. Alors moi, j'ai ceux-là. Bon, des stickers, on peut en trouver plein. Hein. Des vierges que vous écrirez à la main. Et on trouve ceux-là. On trouve sur Amazon, sur les sites partenaires, sur les sites de Diamond Painting. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupure. J'en pouvais plus. Voilà. Alors, vous prenez ces petits stickers. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, ici, vous voyez, derrière, il n'y a que les numéros. Comment je vais dire? Il n'y a que les références DMC. Voilà. Alors, soit vous prenez les références DMC et vous les mettez derrière, ici. En suivant. Mais moi, les références DMC, ça m'embête parce que ça veut dire qu'à chaque ouvrage, il faudra enlever, changer. C'est du gaspillage. Pour moi, c'est du gaspillage. Donc, ce que vous faites, bah, vous pouvez refaire une petite photocopie de ça pour pas abîmer votre petit livret de grille. Voilà. Vous faites une petite photocopie ou alors avec la feuille que l'on a à l'intérieur. Et vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, jusqu'à, bah là, il y en a 40, jusqu'à 40. Vous numérotez chaque couleur. Et comme ça, vous mettez des petits stickers comme ça derrière. Voilà. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, ça ira jusqu'à 24. Et si vous avez besoin d'un deuxième trifil, bah, vous mettez la suite hein, de 25 à 40. Voilà, puisque là, il y a 40 couleurs, par exemple. Et au moins, en faisant des numérotations comme ça, vous n'avez pas besoin de les retirer à chaque fois. Alors, il y a aussi, comme Sabine, elle dit, il y a la mode, enfin la mode, la méthode Posca, le feutre Posca. Moi, j'aime pas. Mais bon, si certaines d'entre vous aiment, bon, bah, mettez du Posca, mais moi, j'aime pas. Parce que c'est pareil, à la longue, qu'on y touche, ça peut s'en aller. Donc, moi, je préfère les stickers et au moins, je les ai mis une fois, je les bouge plus. Voilà. C'était le petit conseil du jour. Je viens de m'apercevoir, la vieillesse arrivant. Des fois, on a des oublis, on a des trous. Voilà. Pour le... alors, j'ai mis là. Voilà. Pour ce joli trifil, vous allez pouvoir trouver la grille... de ce magnifique oiseau. Cette grille sera offerte donc sur la boutique de Sabine. Voilà, donc vous pourrez retrouver la grille directement sur la boutique et elle sera dans les grilles offertes. Voilà, c'est pas beau ça? Mais si, c'est beau. J'adore les grilles offertes. Vous aussi, hein? Alors, ensuite... Nous avons des nouveautés en toile. Alors, je vais les enlever du plastique pour mieux vous les montrer. Hop. Donc, ici, c'est l'étamine 12.6 fils, ma préférée. La référence 6083. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un vert olive, ça. Voilà. Donc, voilà, un joli morceau de toile pour faire une jolie broderie. Donc là, je vous montre, vous voyez, et hop, si je vous montre comme ça, voilà, vous voyez. Donc là, c'est du très fin. Moi, le 12.6 fils, je le brode en... deux fils de trame, hein. Je le brode normalement, mais vous pouvez le broder en un fil de trame, si vous voulez un ouvrage beaucoup plus fin, plus petit, plus délicat, voilà. Moi, je le fais toujours en 2-2, voilà, même sur le 12.6, mais j'adore cette toile, c'est une toile magnifique. Si vous ne connaissez pas l'étamine, ben, je vous conseille de prendre un bout, d'acheter un petit coupon et d'essayer. Je vous assure que vous allez aimer broder sur cette toile, surtout quand il y a des points spéciaux, quand je parle de points spéciaux, c'est-à-dire, bon, la demi-croix, ça va, c'est encore facile, mais quand il y a du 3/4 de croix, du quart de croix, voilà, c'est beaucoup plus facile de broder ces points-là sur de l'étamine que sur de l'aïda. Essayez, prenez-en un coupon, essayez, entraînez-vous et vous allez voir que vous allez adorer. C'est une toile qui est beaucoup plus souple, je trouve, pour broder. Et ici, une Murano, donc pareil, 12.6 fils, couleur blanc irisé, une Zegarte. Donc là, c'est une étamine également. Mais celle-là, elle est magnifique. Voilà. Donc, alors, j'espère que... Oui, on voit que ça brille. Oui, voilà. Ah, voilà. Voilà. J'aime bien quand le téléphone fait ça. Vous voyez, elle est irisée, elle est blanche. Elle est magnifique aussi. Donc, elle se brode, bah, pareil, hein, vous pouvez la broder en un fil de trame, voilà, ou en 2-2, en broderie normale, voilà. Donc ça, en irisé, ben ça va faire ressortir vos broderies, les broderies pour les fêtes, les broderies qui ont... Comment? La chouette, par exemple, je la vois très bien là-dessus. Vraiment, ça va être magnifique. Non, elles sont vraiment très, très bien, ces toiles. Bon, tu veux rentrer? Rentre à la maison. Rentre. Elle veut pas. Ah, c'est qui le chef ici? Donc, voilà. Donc, vous avez les tamines normales, on va dire, hein, qui n'est pas irisée. Et ici, on a les tamines, donc, irisées, blanches. Et le petit toucan. Ensuite, alors là, c'est vraiment trop, trop chouette. C'est un nouvel aimant qui nous représente toutes, vous savez, toutes les brodeuses qui font partie de la secte de Sabine. On aime notre gourou. On l'aime. Elle nous a sorti un aimant, ben, pile pour nous, la team poussière d'étoiles. Voilà. Regardez-moi ça. C'est-il pas beau? Voilà. Un aimant qui nous représente, hein, et voilà, la team poussière d'étoiles est vraiment magnifique. On a les petites échevettes, alors on a les petites échevettes, les bobines, le tambour à broder, les ciseaux, la petite bobine qu'on peut faire aussi avec une pince à linge, voilà, et on a les mains de la brodeuse. Regardez, voilà. Ici, on a les mains de la brodeuse. Elle est en train de broder un joli papillon. Non, et vraiment magnifique. Et ça, c'est ce qui nous représente, nous, ben, justement, la team à Sabine. La team de poussière d'étoiles. Elle est vraiment trop top. C'est trop chou d'avoir fait ça. Il faut qu'on l'ait toutes. Il faut toutes qu'on l'ait. Alors, ensuite, bon, celle que je ne peux pas vous montrer maintenant, je vais, moi, jeter un œil. Voilà, je fais ma curieuse. Mais, je ne vous en dirai pas plus. Je ne vous dis pas. Je regarde. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Oh, oh, j'ai trop choupinou. Oh. Il y en a un. Non, mais je dirais rien. Même sous la torture, vous ne saurez pas. Sabine m'a dit le 30, je ferai le 30. Voilà. Oh, ça, c'est trop choupi. Oh, ils sont trop chou. Trop chou. Voilà. Oh. Sabine, on t'aime. On t'aime. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc vous aurez encore droit à une vidéo le 30. Voilà, hop, ça c'est mis de côté. Je suis méchante, hein. Ouais, j'aime bien être méchante. Mais bon, je fais ce que Sabine m'a dit. Alors, dernière, et oui, c'est déjà la dernière. Dernière enveloppe, enfin dernier paquet, hop, avec un joli sticker de petit renard. Voilà, encore. Ici, ce sont les nouveautés papeterie. Voilà, parce que vous savez que dans la boutique à Sabine, il y a une rubrique papeterie, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi cette rubrique, il y a des merveilles. Voilà. Alors, on va avoir... Oh! Ah, chouette. Chouette, chouette, chouette. Hop. On va avoir des nouveaux carnets de notes. Voilà. Donc, ce sont des carnets de notes que Sabine fabrique elle-même. Là, nous en avons 3 nouveaux. Voilà, je vous les montre en détail après. Donc, c'est des petits carnets, comme ça. Voilà, grandeur d'une main, on va dire. Avec des feuilles blanches à l'intérieur, tout simplement. Mais comme ça, bah, dedans, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Vous y notez vos projets. Vous pouvez y noter, pourquoi pas, si vous avez des projets et puis que vous dites, bon, bah, il faut que je prévoie cette toile-là, ce fil-là, etc. Bah, vous le notez, comme ça, vous le savez. Vous pouvez faire aussi un mini carnet de broderie, pourquoi pas. Vous y marquez le nom de la broderie, la date que vous l'avez faite, la date que vous l'avez terminée, voilà. Vous y marquez vos courses, pourquoi pas. Alors ici, on va en avoir un plutôt, puisque c'est un carnet, avec des jolies fleurs bleues. Voilà, je connais ce nom de fleur, mais ça ne me revient plus sur le coup. Voilà, donc avec des feuilles blanches. Ici, un carnet de notes qui peut nous porter bonheur, puisqu'il y a des trèfles à 4 feuilles dessus. Voilà, très printanier, pareil, avec des feuilles blanches dedans. Alors, je ne sais pas combien il y a de feuilles exactement, mais attendez, je vais peut-être compter, ça va aller vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous avez 10 feuilles comme ça, hop, donc attachées au milieu. Donc, ça vous fait 20 pages, voilà. Ouais, 20 ou 40 pages, c'est un côté ou c'est les deux? Bon, ça vous fait, vous avez 10 feuilles entières et donc ça vous en fait une vingtaine. Arrivé à un moment, vous savez, à un certain âge, on ne sait plus compter. Et ici, celui-ci, avec des petits toucans. Voilà, il est trop mignon. J'adore ces petits toucans. Regardez, ils sont trop beaux. Donc, pareil, voilà, avec des petites feuilles blanches dedans. Donc là, vous allez mettre tous vos secrets dedans. Ensuite, ici, un marque-page. Voilà, un joli marque-page. Et là, vous avez... une petite forme d'étiquette. Alors, vous pouvez y mettre le nom de votre livre, pourquoi pas, ou alors votre nom à vous, mais vous pouvez y mettre le nom de votre livre, et il est vraiment très joli. Petite bibliothèque remplie de livres, de petites plantes, voilà. Donc, c'est la même chose des deux côtés. Alors, ensuite, une planche de stickers, voilà, donc, hop, avec des théières, voilà, les théières, les tasses à thé, les petits bouquins, les petites marguerites, les petits paniers de fleurs, voilà, ici, là, on a la théière, les fleurs, le livre. Vraiment très joli. Très printanier. Ça fait très brodeuse. Hein, parce qu'avec nos tasses de thé ou de chocolat. Hein, on n'est pas obligé de boire du thé. Ou du café, hein, si vous voulez. Voilà. Mais vraiment très, très beau. Donc, ils sont déjà prédécoupés, bien sûr. Je vous montre. Vous voyez ? Donc, vous avez juste à les décoller et à les coller dans vos cahiers, vos carnets, pourquoi pas dans vos carnets de notes, dans vos carnets de broderie ou sur vos agendas. Voilà. Très joli. Et on va terminer sur 3 nouveaux stickers holographiques. Alors moi j'adore ces stickers. Là quand je fais des broderies de Sabine, je sais Sabine, je n'en fais pas beaucoup. Même d'ailleurs j'ai tellement d'ouvrages en cours aussi. Celles qui me connaissent le savent. Dans mon carnet de broderie, je mets toujours le sticker holographique qui correspond à la broderie. Et ici, regardez lequel on a. Ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu tout à l'heure? Alors, vous voyez comment il brille. Il est trop beau. Donc, ça vous rappelle bien celui-là, hein. Voilà. L'image du trifil et de la broderie. Il est tip top. Ensuite, stickers, on va dire zen. Moi, je le trouve un peu zen, même beaucoup zen. Voilà, une petite fille, enfin une jeune fille. Bon, tu vas arrêter de refléter mon... Voilà. En train de lire au milieu des fleurs. Il est magnifique aussi. Et regardez comment ça, ça brille de mille feux. C'est trop, trop beau. Et le dernier, ben, il va vous rappeler ce que je viens de vous montrer avec la planche à... La planche de stickers, voilà, et celui-ci en bas, voilà, on le retrouve en holographique. Il est trop trop beau également. Bon, je suis désolée, la lumière reflète. Attendez, si je l'éteins 5 minutes, voilà. Voyez. Magnifique, toutes ces beautés. Voilà. Bah écoutez, encore une fois, un énorme merci à Sabine pour cet envoi des nouveautés pour que je puisse vous les présenter. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu le faire. Et je suis vraiment très heureuse à chaque fois que je découvre les merveilles à Sabine. Parce que là, elle a encore fait des folies. Ces deux trifils, je vous les remonte, sont juste magnifiques. Vous voyez, ils sont vraiment trop, trop beaux. Les aimants sont magnifiques également. Vous voyez, avec ce petit aimant, je vous les remontre comme ça en vitesse. Voilà, et ici, le petit aimant de la team Poussière d'étoiles. Ensuite, cette grille de broderie qui va être magnifique une fois faite. Voilà. Avec cette jolie chouette, une jolie broderie à installer dans son petit coin bibliothèque, si vous en avez un. Et tous ces stickers, voilà. Ils sont trop beaux, trop, trop beaux. La petite planche de stickers, les petits carnets de notes. Voilà. Ce petit marque-page pour mettre dans votre livre, et ces nouvelles toiles. Donc ici ce sont des étamines qui vont être magnifiques et superbes à broder. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez donc une autre vidéo pour découvrir ce que je vous ai pas montré, parce que j'avais pas le droit. Non, Sabine m'a dit non. Ah, Fifi, Sabine, elle nous a dit non, 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 tu montres pas maintenant. C'est pas maintenant cette nouveauté-là. Donc, rendez-vous le 30 pour découvrir la suite des nouveautés de la boutique. Voilà, et comme ça. Bon, ça y est. Mademoiselle est passée. Depuis tout à l'heure, elle dormait sur ma table à repasser. Ben, j'ai ouvert aujourd'hui le volet parce que ben, c'est plein soleil aujourd'hui dehors. Et du coup, j'ai ouvert un peu mon volet pour avoir un peu plus de luminosité à ma fifille. Et on a profité ce matin ben, pour faire un peu de jardinage. Oui, je sais, vous m'avez tout dit, il faut me reposer. Mais c'était la tondeuse, c'est pas dur. Ah oui, c'est pas dur, la tondeuse, non. Voilà, bah écoutez, j'espère que toutes ces nouveautés vont vous plaire. Allez-y, allez-y, elles sont déjà sur la boutique. Donc, faites chauffer la carte bleue, faites sauter la banque. Et moi, je vous rappelle que pour celles qui ne connaissent pas encore la boutique, Sabine vous offre un code promo qui vous donne 10% de réduction sur votre première commande uniquement. Voilà, mais Fifi, arrête, qui vous donne 10% sur votre commande. Et le code promo, c'est tout simplement Didite en majuscule. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser une fois lors de votre première commande. Donc allez-y, lâchez-vous. 10%, c'est toujours très bon, c'est bon à prendre. Petit rappel également, c'est que maintenant les box broderies, alors la box broderie, elle est la box aimant et broderie, elles sont incluses l'une dans l'autre maintenant. Voilà, je cherche un mot, mais c'est pas celui-là que je voulais dire. Mais bon, vous m'avez compris. Avant, on avait la box broderie, la box aimant. Et maintenant, les deux sont regroupés. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon mot. Et vous avez également la box papeterie. Ou alors, vous pouvez aussi avoir les trois en même temps. Broderie, la broderie avec les aimants, plus la papeterie. Donc, en une seule box. Et maintenant, c'est par abonnement. Donc, vous faites des abonnements soit d'un mois. Donc, vous payez tous les mois. Vous pouvez arrêter quand vous voulez, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas tenu à engagement. Vous ne faites pas ça pour 1 an ou 2 ans. Vous pouvez vous abonner que pour 1 mois. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois. Donc là, tous les 3 mois, vous allez payer pour les box que vous recevrez les 3 mois qui arrivent. Voilà, donc là, je n'ai plus, je suis désolée, j'aurais dû me les noter, mais je n'ai plus les prix en tête. Mais vous allez dans la rubrique abonnement et vous aurez tout le détail des box, le détail des prix. Par contre, il faut commander les box avant le 5 de chaque mois, pour, si vous faites en abonnement à 1 mois, ou même si vous faites 3 mois, les commandes se font avant le 5 du mois. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir tout dit, j'espère n'avoir rien oublié, j'espère avoir été claire dans mes explications, j'espère que vous avez aimé ma présentation, j'espère que, là c'est par contre, c'est le principal, j'espère que vous adorez les nouveautés de Sabine, j'espère que je vais faire un saucisson de Fifi, voilà, ben voilà, elle s'est accrochée. Donc, dites-moi ce que vous pensez des nouveautés que Fifi nous a concoctées, j'allais dire. Que Sabine nous a concoctées. Moi, en tout cas, bon, Fifi, s'il te plaît, merci. J'adore tout, 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 tout. Voilà. Allez, encore un énorme merci à toi, Sabine, pour tout ce que tu fais pour nous. Un énorme merci pour ce petit aimant, voilà, qui nous représente, qui est magnifique. Et moi, en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous. Fifi, il ne veut pas que je ferme la vidéo. Au revoir.